Je vous avais dit, mes frères, que les dieux feront faveur à ma famille. Mmh. Regardez maintenant. Oh non, hein? Tu es vraiment un homme très chanceux. Vraiment. De tous les hommes dans ce royaume, il n'y a que ton fils qui a attiré le regard de la reine. Toujours chanceux, tu le sais bien. Ah, oh non. Mon fils Osenéa est digne du trône. Il possède tous les atouts pour cela. Hey, je ne peux pas impatienter de répondre au père du roi. Faire ma tête comme ça et soulever mes épaules. Oh et no. Comme ça, je vais marcher. Oh non. Hey, très heureux. Maintenant, je serai le papa du roi. Oh non, oh. Ce n'est pas facile. Félicitations, en tout cas félicitations. C'est une couronne bien méritée. Oui, félicitations. Mes amis, ça se fête. Félicitations. Oh, ils ont. C'est une couronne bien méritée. Exact. Apporte ça. Mais qu'est-ce que la reine voit en cet homme? Hey! Qu'est-ce qu'il a et que moi je n'ai pas? Je suis même mieux. Hein? Mieux. Jusque la reine a refusé de regarder mon côté. Même pas un petit regard pour voir ces qualités merveilleuses que je possède. Hey! Je ne la blâme pas. C'est la pauvreté. Oui, c'est la pauvreté que je blâme. Si j'avais de l'argent, peut-être elle me donnerait l'attention. Idiot.
ça c'est une botte très chargée. Allez, vas-y, doucement, doucement. Praying for a good day. We pray every day to put up a good fight. But along the way, life takes a new turn. Something where you're not prepared for, how you go fight them. All of a sudden, then say, you go do this, you go do that. You go be this, you go be that. Oh, yeah. In your mind, you got your own pictures of the kind of man or woman you want to be as. Oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, oh, oh, life. Oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, oh, life. Oh, no matter what the time is, oh, no, my brother, live up your good life, your good life. Live out your dream now, your dream now. Live up your good life, my brothers and sisters. Challenges must come one way or another. They go try to push you aside from your focus. Maman, je suis très désolée. J'ai vraiment honte de moi, maman. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu devrais être désolée et honte de toi-même. Comment pouvez-vous? Comment pouvez-vous? Je ne pouvais absolument pas m'attendre à ce genre de choses venant de vous deux. Ah, mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous avez permis à cette calamité de détruire ma famille en ce moment? Vous êtes tous les deux vraiment stupides. Très méchants. Et hontés en plus. Izzy, comment pouvais-tu coucher avec l'ami de ton fiancé? Et toi, Jeff, tu connais l'état de ton ami. Au lieu que tu puisses le soutenir, tu t'es joué de lui à cause de son état. Vous êtes des éhontés.
Tu es vraiment un garçon éhonté. Tu ne peux pas être appelé son ami. Je suis désolé. Quoi que vous me disiez, je le mérite. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je suis désolé. C'est l'œuvre du diable. Les œuvres du diable, mon œil. Les œuvres du diable. Je suis sûr que le diable est entre tes jambes. Maintenant, là, il est très content. Ou tu en veux encore plus? Veux-tu aussi me prendre? Idiot. Maman, je t'en prie, pardonne-moi. J'aime. Excuse-moi. N'ose même pas. N'ose même pas de mentionner le mot amour en ma présence. Et d'ailleurs, pour être franc avec vous, je veux que vous déposiez les clés de cette maison et toutes les propriétés que vous avez. Maintenant, partez. Partez maintenant. Sortez. Sortez. Désolé. Maman, pitié. Je t'en prie, maman. Sortez maintenant. Ne me poussez pas à venir pour la clé. Arrête-toi là-bas, arrête-toi là-bas. Reviens. Viens ici. D'où viens-tu à cette heure impie de la nuit? J'étais partie dans la cuisine. Oui, j'étais à la cuisine. Je l'ai dit, j'ai dû rester trop longtemps en congé de maternité. C'est bien que je ne sais pas qu'on a déplacé la cuisine. Au portail, je t'aime. J'étais à la cuisine, oh. Okay. Alors après, j'étais sortie pour vérifier tout était très bien. Oui, j'ai vérifié tout, oui. Je te connais. Tu sais, tu es une fille idiote. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que tu es une fille idiote. Hein? Donc, tu es maintenant la personne la plus, au sens égard même, la personne la plus puissante dans ce palais pour surveiller. Viens, j'espère que tu n'as pas le plan de voler quelque chose dans ce palais, parce que je t'attraperai. Ah! Tu sais que je suis toujours vigilant, tu le non, sais. Non, je ne peux pas voler. Comment peux-tu dire ces genres de choses? Je ne peux pas. Je ne suis pas une voleuse. Maintenant, approche-toi. Vite, amène-toi même ici. Amène-toi même ici. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, non? Pourquoi est-ce que tu me sens? T'as vraiment de la chance. Je ne perçois aucune odeur sur toi. L'odeur est mixée avec l'air. Mais la prochaine fois que je t'attrape te faufilant dans ce palais à cette heure impie, hein, je te rapporterai personnellement à sa majesté. Ah, s'il te plaît, non, ne m'accuse pas, Chézé, s'il te plaît. Je ne vais plus jamais refaire ça, s'il te plaît, je t'en prie, oh. Je refuse. Animal. Disparais d'ici. Vite! Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, tu te faufilerais dans ce palais comme si... Venez, où sont ces gars? Venez! Au coron! Au coron! Wapwa ntintia tayano Ebelisi tia sobe yano wanowe.
Bébé, pourquoi tu ne dors pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je dormir? Ma conscience me juge, me condamnant. Et Chizona n'est pas juste un ami. C'est un frère. Mais je l'ai blessé. J'ai fait du mal. Je sais que ça fait mal. Tout ce que nous avons fait, tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on peut? C'est déjà arrivé. Nous devons réparer les choses. Ouais. Ne penses-tu pas que nous sommes censés être à sa recherche? Oh. Si c'est la PD, alors dans ce cas, partons. Partons à sa recherche, ça sera bien. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça va aller. Bébé, repartons au lit. S'il te plaît. Nous irons à sa recherche, n'est-ce pas? S'il te plaît. Bébé, c'est bon, détends-toi, nous irons à sa recherche. Viens, on y va au lit. Allez. Ta maman, n'est-ce pas? Je t'aime tellement, mon fils, s'il te plaît, reviens, j'ai besoin de toi. Je sais que tu ne peux pas vouloir me faire souffrir, je le sais très bien. S'il te plaît, dis-moi où tu es, s'il te plaît. Où est-ce que je peux te retrouver? Je suis en train de mourir. Tous les jours, parce que
Je me rends compte que tu me tues tous les jours, Ichi. Je n'arrive pas, s'il te plaît, mon fils. Ah, Ichi! Je suis surpris de la manière dont tu l'as fait. Je suis vraiment fier de toi. Bien, papa, tu peux dire ça encore, papa. Je suis également surpris moi-même. Non, tu n'as pas besoin d'être surpris. Peu importe le moment où les dieux veulent te gratifier, ils le feront. Hein? Mais j'ai quelque chose qui est en train de déranger mon esprit. Et ça peut être quoi, papa? Je me demande pourquoi est-ce que toi et Zara retardés. Et maintenant, vous êtes supposé avoir un enfant qui va occuper le trône. Ce n'est pas du tout drôle, je suis sérieux. Hé, hey, écoute-toi. Écoute ce que tu dis, papa. Mais vous devez faire les choses comme ça se fait. Aïe! Je sais que c'est ce que nous devons faire. Bien, je suis déjà sur ça. Tu sais, nous venons juste de nous rencontrer. Alors n'attends pas que je sois très rapide à propos de cette histoire. Il faudra aller doucement. Mais crois-moi, je ferai ce qu'il faut. Le plus tôt possible. Ça c'est bien. Mais je veux que vous soyez rapide. Parce que très tardé n'est pas bien. Tu n'as même pas t'inquiéter. Toute chose est sous mon contrôle. Ça, c'est mon fils. Ah, Oh.
Praying for a good day. We pray every day to put up a good fight. But along the way, life takes a new turn. Something where you're not prepared for, how you go fight them. All of a sudden, them say, you go do this, you go do that. You go be this, you go be that. Oh, yeah. Back in your mind, you got your own pictures of the kind of man or woman you want to be as. Oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, oh, oh, life. Oh, life, oh, life, oh, life, oh, life, oh. No matter what the time, honor my brother. Live up your good life, your good life. Live out your dream now, your dream now. Live up your good life, my brothers and sisters. Challenges must come one way or another. They could try to push you aside from your focus. You see the moment when you waver, you're not gonna be the same now. Every day in life, you're just a wonder. From frying pan to fire, every single day you go burner. You go the wonder, say now how come you come to live a life you're not planned for. So it is reason why you have to be a man and stand up to the challenges of life and face it to the last. Don't you waver, cause that is not a way out. Everybody answer to a caller.
Make sure your call is the right one, is the right one. Alive, 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 oh, alive. My brother, fight for your right. No matter what conditions, my sister, make you know, involve yourself or something, we're gonna kill you. Oh no, oh no. Oui, je vais revenir vers toi. Oui, très bien. D'accord, très bien, au revoir. Bienvenue, monsieur. C'est comment toi? Je vais bien, monsieur. Merci. Tu parais beau aujourd'hui. Merci beaucoup. En réalité, vous voyez, Sa Majesté est dans une importante réunion avec certaines autorités du gouvernement. Oh. Donc, elle sera avec vous après. Mais vous devez avoir un peu de patience parce que la réunion durera un peu. Donc, je ne sais pas si vous pouvez attendre ou bien... Il n'y a pas de problème. Je peux attendre aussi longtemps que cela va prendre pour que je voie la reine. Tout ce que tu dois faire, c'est de m'amener un verre de jus. Hein? Oui. Apporte-moi un verre de jus bien frais. Un verre de jus bien frais. Bien frais. Onas, es-tu sous? Non, je ne le suis pas. Je dis, amène-moi un verre de jus. Je vais aller l'apporter. Es-tu fou? Merci, monsieur. Voulez-vous me mettre dans le trouble? Voulez-vous me créer des problèmes? Chut. Il faut te calmer, ok? Oh, chut. Arrêtez. Savez-vous que l'autre fois, on allait nous attraper, hein? Tu n'as pas à t'inquiéter pour Onasi, ok? Parce que très bientôt là, je vais épouser la reine et automatiquement, tout va être à moi. Et je te ferai vivre comme un ange sur la terre. Oh mon Dieu! Je suis impatiente. Tu vois... Écoute, ça va arriver bientôt. Bien, je suis impatiente. Ça va bientôt arriver, ok? Écoutez, ça ce n'est pas un bon endroit pour faire ça. Pouvons-nous nous déplacer, hein? Vraiment? Oui. Ok. Oh... Ne faites pas ça. Détends-toi. Oh non! Oh non! Pas ça! Oh non! Oh, oh. Votre Majesté, Zenéa vous attend au salon. Oh! Ça fait déjà combien de temps depuis qu'il est là? Pas si longtemps, Votre Majesté. Okay. Everyone is praying for a good day. We pray every day to put up a good fight. But along the way, life takes a new turn. Something where you're not prepared for, how you go fight them. All of a sudden, them say, you go do this, you go do that. You go be this, you go be that. Salut.
reine. Non, ah, ce n'est pas ce que vous pensez. Désolée. Hey! Arrêtez-les! Ma reine, je suis désolée. Ma reine, ma reine, vite! Ma reine, je suis vraiment désolée. Ma reine, s'il vous plaît. Ma reine, s'il vous plaît. Ma reine, je suis désolée. Ma reine, s'il vous plaît, pitié. S'il vous plaît, votre majesté. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Désolée. Je peux tout expliquer, s'il te plaît. Ma reine. S'il te plaît, ma reine. Tais-toi. Ce n'est pas de ma faute. Tais-toi, ferme-la. Ce n'est pas de ta faute. Toi. Je t'ai toujours soupçonné, toi, cette fille, la façon dont tu te promets, tu te faufiles dans ce palais, je t'ai toujours soupçonné. C'est mauvais, ou c'est très mauvais. Hey! Ma reine, ce n'est pas de ma faute. Fermez ta bouche. Arrête ces bêtises. Onas. Votre Majesté. Charge-toi d'eux maintenant même. Vite, amenez-les, non? Ferme ta sale gueule, non? Ma reine. Onas, votre majesté. Qu'est-ce que vous attendez? Ajustez vite, non? Amenez ces malfaiteurs, non? Marraine, s'il te plaît. Amenez-les. S'il te plaît, Marraine. Marraine, j'ai toujours soupçonné les deux. Mais c'est seulement que je n'avais pas les preuves. Allô? Allô? Hein? L'imposteur a été encore vu dans ce royaume. C'est où? Avec qui? Ok. Merci beaucoup pour l'information. Je reviendrai. Votre majesté. D'où cette personne? On a encore vu l'imposteur dans ce royaume. Tché. Avec un fou. On y va tout de suite. Immédiatement. Démarrez la voiture. Votre majesté. Démarrez la voiture. I would have given him the same way.
Faites-la descendre. Faites-la descendre. Vous n'écoutez pas, vous êtes malade. Faites-la descendre. Hé, ma reine. Elle n'est pas là. Elle n'est pas ici. Mais je vous ai demandé de la faire descendre. Non, elle est où? Hey, ma reine. Elle a disparu. Mais où est-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me poses la question. Je t'ai demandé de la mettre dans le capot. Et tu me demandes quoi? Ma reine, elle n'est pas ici. Hein? Mais toi qui l'as mise dedans? Ma reine. Hé, ma reine, garde. Allez, ma reine. On l'a fait entrer, hey, on l'a fait entrer. Garde. Plus vite. Garde, viens. Tu es là-bas, imbécile. Garde, ma reine, amenez-la. Ce n'est pas bien. Le pire est sur le point d'arriver. S'il te plaît, déesse mère, fais-nous miséricorde. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Ne vous ai-je pas interdit de venir ici, chez moi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? S'il te plaît, maman, je sais que je fais du tort à Etienne ainsi que toute la famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait... Je ne peux pas écouter tout ce que tu as à me dire. Alors sortez s'il d'ici. S'il vous plaît. Même si vous ne voulez pas nous pardonner, du moins, écoutez-nous et sauvez votre fils, mon ami. Il n'est pas en forme. Ouais. Nous l'avons trouvé dans un pays lointain. Oui, maman, nous l'avons vu aujourd'hui et il ne va pas bien. Nous devons l'aider le plus tôt possible. Vous avez retrouvé mon fils? Oui. Oh. Mmh.
c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais confus, j'étais troublé, je ne savais pas quoi faire. C'est pourquoi je suis vite venu ici pour voir comment on peut se joindre les mains, aller le secourir et le ramener de ce pays lointain. Eh, hey, mon fils est vraiment devenu fou. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Monsieur, vous me confondez, moi. J'ai pas compris ce que vous voulez dire par mon fils est réellement fou. Je pensais qu'il était comme ça depuis quelque temps. Nous devons voir au-delà de ce que nous regardons. Quand tu as pensé que mon fils était fou, il ne l'était pas vraiment. Il était plutôt tourmenté par des forces invisibles. Mais maintenant, il est vraiment fou. Et il est devenu dangereux. À quiconque osera l'approcher. Oh mon Dieu, ce n'est pas bien. C'est vraiment dangereux. Et maintenant, la seule solution, c'est trouver le pouvoir qui l'avait rendu fou. Ce même pouvoir a la capacité de restaurer son état. Sinon, nous les perdrons pour toujours. Plaise à Dieu. Jimo, qu'est-ce que j'ai offensé? Ne déplaise à Dieu. Qu'est-ce que je fais de mal? Jezuna. Monsieur, madame, s'il vous plaît, pouvons-nous nous précipiter à l'endroit où nous l'avons trouvé? S'il vous plaît, dépêchons-nous. Oui, allons oui. À l'endroit pour voir si on pourrait encore le trouver. Au cas contraire, on verra comment le chercher davantage. Dépêche. Je t'en prie. S'il vous plaît, on est après vous. Chérie, allons-y, dépêche-toi. C'est compliqué, elle souffre. Bien, Onasi. Oh non. S'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment nous dire ce qui est arrivé à notre majesté? Oh non, nous étions allés arrêter l'imposteur pour l'amener au palais. Quand nous étions revenus, sa majesté nous a demandé de la faire sortir. Quand nous étions allés la faire sortir, à notre grande surprise, elle avait disparu. Et soudainement, on a commencé à entendre des bruits étranges. Et sa majesté se mit à crier de douleur. Ma tête, oh, mon cou, oh, mes joues, oh. Je ne sais pas ce qui lui est vraiment arrivé. Que veux-tu dire par bruit étrange? Es-tu en train de dire que sa majesté a été attaquée par une force maléfique ou quelque chose comme ça? Regarde ça. Hein? Tout ça s'est produit soudainement. On ne sait pas comment l'expliquer. Les autres gardes du palais aussi étaient là. Ce n'était pas moi seul. Mais si tu dis ça, qui alors va nous expliquer ça? Oui. Daouche, je pense qu'il faut se concentrer plutôt sur ce qu'il faut faire pour sauver sa majesté. Et arrêter de me bombarder de questions inutiles. Suis-je un voyant? Les voix que nous avons entendues, elle les a entendues aussi. Hein? Faites quelque chose, les anciens, s'il vous plaît. Hein? Tchaï, je suis fini. Oh. Pourquoi sa majesté est dans cet état? Hein? Les anciens, agissez vite, s'il vous plaît. Nous devons trouver une solution. Oui. Nous devons vraiment travailler rapidement, ouais. On ne doit pas tarder. Mais très vite, c'est très important. Oui, nous devons le faire très rapidement. Yeah, yeah, yeah. L'acte clair d'ignorance. La reine a provoqué cette situation.
Oh mon Dieu, mais comment? Elle n'a pas su lire entre les lignes à cause de son obstination et son tempérament colérique. Le pire est sur le point d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le pire? Le pire? Nous devons l'empêcher urgemment en faisant le nécessaire. Non. Elle a provoqué la grande déesse. Et sa colère plane sur tout le royaume entier. Tu vois ça? Mais l'œil de Dieu. Mais s'il te plaît, demande au Dieu ce que nous pouvons faire. Oui. Je veux dire, tous les problèmes ont une solution. Hein? Obedience is better than sacrifice. Don't you know? Yeah. You better listen to the voices of the heavens. Vas-tu pas te détendre? Où pourrait-il être? Où pourrait-il être? Détends-toi, nous allons le trouver. Life is a journey, yeah. May a journey not be in vain. As we travel through the surface, yeah. May our journey not be in vain, oh. Yeah. If I recall the one way, oh, oh, oh. Yeah. What do you mean? I'm not gonna wait. Goes beyond what you think, and it goes beyond what you say. Yeah, what a boom. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Akwa kunyere mwazanaka bikonya nyunare kwana ya. Was it in your water? That could be going on your monarch one and you know. Oh, yeah, that's it. Oh, yeah, this journey must never be vain. Must never be vain. May we find peace. In the land. Oh, Seigneur, oh. Oh. May we find peace in this land. S'il vous plaît, mes anciens. Il y a une confusion dans le pays. Et il y a quoi? Hey. Les gens courent pour sauver leur vie. Hein? Pourquoi? Parlons, pourquoi? L'information m'est parvenue que un fou étrange est entré dans notre royaume. Pour faire quoi? Terrorisant les gens avec des armes. Des armes dangereuses. Yeah. Oh, nazi. Parle. Explique-nous pour que nous comprenions mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a là est que... On m'a dit qu'elle possède cette manière compétente et dangereuse de combattre. Je pense que je dois aller m'occuper de lui. Retourne à ton poste de service maintenant. Mounaz, merci. Thank you.
Tu es là. D'accord, on arrive. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Jeff. Jeff? Oui. Y a-t-il une nouvelle? Il vient à peine de me dire qu'il y a un accrochage entre un fou et les membres du palais. C'est quel incident? Non, mais je ne sais pas. Mais il m'a dit que nous devons aller les rencontrer là-bas. Où? Au palais, non? Au palais? Oui. Ok. Dans ces cas, on doit, en fait, si rapidement. Oui. C'est bon, on dans la voiture. Allons-y. Mon frère, calme-toi, s'il te plaît. Tout ce que je disais, c'était pas par esprit, oh. Hein? Hey, c'était pas par esprit, oh. Hein? Tu es mon frère, non? Hein? Tu es mon frère? Désolé, au secours! C'est lui en train de crier là-bas. Chercher où est-ce que nous allons nous cacher. Oui, c'est important. Passe de l'autre côté et moi j'irai là-bas. Non mais, est-ce que vous entendez des bruits? Yeah. Au lieu d'aller se cacher, toi tu es là, en train de parler. De quoi? Et lui fait yeah. Au secours. Aïe. Un secours. Mon fils, arrête. Ça va, arrête. Arrête ça. Ah.
ce que tu fais. Ça va. Lève-toi. Si j'ai encore envie. Lève-toi. Désolé, monsieur. En tout cas, désolé. Il m'a fini. Lève-toi. Ça va. Désolé. Si j'ai encore envie. Désolé, lève-toi. Attends. Où est-ce que tu vas? Hein? Attends, s'il te plaît. Attends d'abord. Où est-ce que tu vas? Hein? Où est-ce que tu vas? C'est à moi que tu parles. Qui encore non? Si ce n'est pas toi. Comme tu peux voir, je vais voyager. Je ne comprends pas. Donc tu avais planifié de m'abandonner ici après avoir réussi à me faire perdre mon travail. Et tu as fait ce que la reine puisse me chasser du palais. Écoute, je ne te lance de personne. De personne, je dis bien. Je ne t'ai jamais forcé de faire quoi que ce soit avec moi. Écoute-moi. Et je de te faire n'importe quoi. Écoute. Je ne te lance jamais ça. Il ne faut pas m'énerver. C'est ce que tu me dis maintenant, hein? Tu penses me laisser ici et partir? Ça ne marchera pas. Tu ne me laisseras pas toute seule ici. Tu retiens mon sac? Oui, je retiens ton sac. Écoute-moi. Si tu ne lâches pas mon sac maintenant là, je vais te déformer le visage. Tu ne feras rien. Écoute. Ok. Je ne lâcherai pas. Si tu veux, tu peux crier du matin jusqu'au soir. Je ne lâcherai pas ce sac. Tu n'iras pas quelque part sans moi. Ok, finis le jeu maintenant. Laisse mon sac. Je ne lâcherai pas. Deux. Lâche mon sac avant que je ne fasse n'importe quoi. Regarde. Tu ne partiras pas quelque part sans moi. Tu n'iras pas. Notre déesse mère nous a tourné le dos. Mais la seule option que nous avons est d'entreprendre un voyage spirituel à la demeure de la grande déesse mère et revenir avec une solution dans 3 jours. 3 bougies seront allumées pour les 3 jours selon les besoins. Dès que chacune des bougies s'éteint, les jours sont comptés. Ce voyage sera entrepris par 2 personnes. Premièrement, celui qui nourrit la douleur de la perte de notre chair. Deuxièmement, celui qui est très proche du trône. Je suis prête. S'il te plaît. Tu es sûr, chérie? Je dois le faire. Je suis prête. Je suis prête, homme sage. Je suis prête de faire ce voyage si cela va guérir mon fils. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous si je perds ma vie. Je ne voudrais pas qu'un mal arrive à mon fils. Il est mon monde. Notre monde.
je suis prête. Yeah, yeah, Kaïdje, yeah, yeah, Kaïdje. Qui parmi vous est prêt à entreprendre le voyage avec elle? Oui. Oh non, je vais partir. Non, 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 je vais partir. C'est toi qui es plus jeune, tu peux aller. Oui, c'est toi, l'ancien, le plus jeune, et dans ses cabinets. Vraiment. C'est toi l'ancien. Mes anciens. Onage, Onage, tu veux venir, tu vas partir. Oui, 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 c'est Onage, c'est lui qui doit partir, c'est lui. C'est la meilleure personne. Mieux placé pour quoi? C'est toi qui peux y aller à notre place. C'est toi qui es plus proche de la reine. Allez où? C'est toi le plus proche de la reine. Je veux. Tu n'as pas besoin de le savoir. Oblipoto! Vous devez m'écouter, vous deux, à tout moment. Quand il arrive que vous vous trouvez dans une situation qui semble difficile, qui pourrait piéger vos âmes et esprits, baissez vos bougies et vos esprits retourneront immédiatement dans vos corps, ici, dans cette chambre. Êtes-vous prêt? Oui. Laissez-moi lui utiliser les toilettes d'abord. Êtes-vous prêt? Oui. Je suis prêt. Obrigato, obrigato, obrigate, obrigato. Ah!
les dieux de nos ancêtres. Hein? Les dieux de nos ancêtres. Quel est ce genre de choses? Je ne voulais pas venir ici. Ouais. Je ne voulais pas venir ici. Si ce n'est pas que le sage menaçait de transférer ta folie. Désolé, me transférer la folie de ton fils, je refuserais. Hein? Hey! Oh, écoute, c'est pas que j'ai peur. Oh. Non. Ne me comprends pas mal. Je suis un homme courageux, tu le sais. Je suis très courageux. Mais nous marchons, ça fait très longtemps. Maintenant, reposons-nous un peu, même si c'est 30 minutes. La ferme! Écoute. Restez calme. Silence. Et continuez. Les yeux et l'ombre de la déesse vous gardent et vous combattent pas, alors gardez juste silence. Rassurez-vous tous les deux, gardez un silence absolu quand vous arriverez à l'intérieur de la grotte. N'osez pas parler sur le monde de pas de fer. Ou sinon, vous ne serez plus capable de parler, et même si vous partez ici vivant, veuillez très bien observer ceci. C'est quoi tout ce bruit-là? Surtout le bruit... La ferme. Ah? Hein? Depuis notre arrivée ici, des bruits, des criquets. Comme si je ne suis pas courageux. Je me connais moi-même. Ah! Nous devons vite trouver la cave et retourner. La ferme! Moi? Le sage. Comment le serons-nous s'ils sont en difficulté? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour les aider? Ils iront bien. Juste soyons positifs. Ils sont finalement arrivés à la cave silencieuse. Depuis là, nous marchons. De là jusqu'ici. Et tout est carrément différent. Hein? La ferme, toi aussi. Oh. Gardez silence. Je pense que nous sommes arrivés. Oui, je pense, nous sommes arrivés. C'est ce que je pensais. Oh, c'est comme si nous sommes devant la porte du lieu où on nous avait indiqué. Il y a quelqu'un là-bas, non? Oui, approchons-nous alors. C'est bon. Cette petite... Ce n'est qu'une petite fille. La ferme, non? Il n'y a pas de problème. Écoute, s'il te plaît, quelle durée ça va nous prendre d'entrer dans cette cave, hein, et sortir, hein? Ou bien y a-t-il un raccourci? On a marché longtemps. Hein? Quoi? Est-elle sourde? Je te pose la question, tu ne réponds pas. T'es-je une fois offensée? S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie. Pardonne sa façon. Aie pitié de lui. Que voulez-vous? S'il te plaît, nous sommes à la recherche de la plus grand-mère, du mensonge ainsi que du silence. Vous devez offrir un présent pour y accéder. Un cadeau? Est-ce que tu es venu avec un cadeau? Tu vois, on aurait dû venir avec des biscuits ou bien des chewing-gums pour donner à cette petite fille. Je sais que tu n'as rien apporté, je sais. La ferme! Toi aussi! Je veux que tu me donnes ta main. Jamais. Ces perles, hein? Connais-tu l'importance de ces perles? Hein? Ces perles signifient ma position dans le palais du royaume de Bodouk d'où je viens.
Et je ne peux pas te donner ces perles. Ces perles montrent que je suis le responsable de tous les serviteurs du palais et aussi le porte-parole de la reine. Et tu veux les prendre? Quelle perle? Je ne vais pas donner... Toi aussi. Ma tête. La ferme. Merci beaucoup, sage. Mes perles, non? Comment osez-vous entrer ici? Qui vous a permis? Grand-mère de toute le mère, s'il vous plaît. Je suis venue à cause de l'état de mon fils, qui est devenu fou et dangereux dans le royaume d'Obodenou. S'il vous plaît, ayez pitié. Faites qu'il redevienne normal. Je vous supplie, ayez pitié. Il va reprendre ses sens. Jusqu'à ce qu'il va terminer ce qu'il devait faire comme mission. Mais je ne sais pas si ça sera possible. Parce que ça fait un très long moment. Pour la reine de Ogodou. Pour enlever cette possession. Pour apaiser ma colère. Je vais utiliser le cadeau de Echezuna pour punir tout le royaume au travers la reine. Grand-mère, s'il vous plaît, ayez pitié. Il est mon unique enfant. J'en ai pas d'autre. S'il vous plaît. Pardon, déesse mère, hein? Je vous supplie au nom de tout le peuple du royaume de Boutouko et de ma reine. Ayez pitié, pardonnez-nous. Pas du tout. La reine et le royaume
doivent les payer. En moins que une âme soit donnée. C'est de cette façon que je peux changer ma décision. L'âme. Désolée pour l'âme. Si sacrifier une âme sauvera mon peuple et ma reine, alors prenez la mienne en échange. Arrête ça! Qu'elle prenne la mienne. Arrête! Je suis même fatigué. Qu'elle prenne la mienne. J'aime beaucoup mon peuple et aussi ma reine. Pourquoi veux-tu donner ton âme en échange? Qui es-tu? Je suis Mounaz, le chef des serviteurs du palais et aussi le porte-parole de la reine. S'il vous plaît, prenez mon âme et sauvez mon peuple. Je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ta demande est acceptée. Attention! Toi, écoute ce que je veux te dire et fais exactement ce que je te dirai à ton retour. Oui, je le ferai. La reine doit s'habiller comme Onoru. C'est pour qu'elle justifie qu'elle est innocente. Exactement comme je viens de te le dire. Il n'est plus normal. Il s'est sacrifié. Oh, pourquoi? La grand-mère a instruit. Que la reine doit arrêter d'apparaître comme une reine. À partir d'aujourd'hui, il doit commencer à s'habiller comme Oloku et d'aller à la recherche de Echezuna pour tomber amoureux d'elle. Et elle va le calmer. Elle doit faire à ce qu'il constate qu'elle est Oloku qu'il cherchait. Et elle a dit que cela peut prendre fin que par la reine en chantant une chanson qui consiste en l'appelant par son nom qui montra que eux deux sont faits pour être ensemble. Elle a dit que vaincre fera assez qu'il soit encore très soudé pour que Echezuna puisse vivre en forme. Et par là, les deux vont se sentir soudés. Et ils auront la compassion l'un pour l'autre. C'est ce qu'elle avait dit.
Et cela ne pouvait pas être possible. Si ce n'était pas pour Onasi. Il a sacrifié son âme pour la reine. Et tous les peuples du royaume de Boudegou. Il est mort. Chut. Il est mort. Il est parti dans l'au-delà. Pour son peuple. I can never get married, man, I'm sorry, man. C'est difficile pour moi de croire qu'Onas n'est plus. C'est très pénible. J'aurais souhaité qu'il soit en mesure de m'entendre pour que je lui dise comment je me sens mal pour lui. Il était un homme très, très gentil et très aimable. Il va beaucoup me manquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens? Pourquoi suis-je dans cet accoutrement? Mais regardez-vous comme des fous, répondez à mes questions. Que faites-vous ici? Onas! 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 Viens me dire pourquoi je suis dans cet accoutrement. Ma chérie, ne penses-tu pas que le rétablissement de Sa Majesté prend beaucoup de temps que prévu? C'est une maladie vraiment mystérieuse. Je prie pour que les dieux de notre terre puissent guérir notre reine. Tous les deux, vous êtes là en train de discuter? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, pas de problème. Quelque chose me dérange. Qu'est-ce que c'est? J'étais en train de vous chercher toutes les deux. Et je m'étais décidé de passer devant la chambre royale. Et j'ai entendu une voix très étrange. Hein? Oui, voilà pourquoi je suis venue vous demander si vous n'avez pas entendu une voix étrange venant de la chambre royale. Quoi? Oui, je vous en prie, c'est une voix étrangère? Parlez à voix basse. C'est pour ça que je suis venue vous demander si vous n'avez pas entendu quelque chose. Une voix étrange? Oui. Dans ces palais? Oui.
Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce possible, elle. C'est ce que moi aussi je me demande. Qu'est-ce que j'ai fait à moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait à mon royaume? C'est ici où je vais en finir. J'ai perdu Tounas. Mon servant le plus loyal, fidèle et docile, Tounas. J'aurais souhaité faire reculer les temps. Qui te dérange? Pourquoi n'es-tu pas allé avec la reine et les parents de Echezona à sa recherche? Nous avons cherché tout autour de la salle du trône, nous n'avons rien trouvé. Voilà pourquoi ils sont allés chercher ailleurs. Ma conscience me juge depuis qu'on a été attrapé. Echezona n'est pas juste un ami à moi. C'est comme un frère. Comment vais-je faire face à lui, sachant très bien que je couche avec sa fiancée? C'est si terrible. Tu ne dois pas être si dur envers toi-même. C'est plutôt de ma faute. C'est moi qui t'ai conduit en erreur. J'étais séduit pour que tu sortes avec moi. C'était pas toi. Viens. Ça va. Arrête de pleurer, hein? Essuie tes larmes. Nous avons commis le crime, les deux. Donc nous devons aussi en subir les conséquences. Ça va, essuie tes larmes. Nous allons rejoindre les autres pour le chercher. Ok? Allons-y maintenant. Changer le temps.
vais ramener Ounas à la vie. Quel bon homme. J'ai perdu toute la radiance qui m'accompagnait. C'est très drôle. Très drôle. Très, très drôle. Hey. Rien de me répéter. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis très, très désolée. Je suis désolée de t'avoir offensée. Pourquoi tu es ici tout seul? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas m'inquiéter? Du moment où mon fils est loin d'être retrouvé. Tu n'as pas à faire ça. Rappelle-toi que la reine a dit qu'il va déployer les gardes pour le chercher dans tout le royaume. S'il te plaît, calme-toi et attendons les résultats de la journée de demain. Comment devrais-je me calmer? Comment? Hein? Mon unique fils, le propriétaire de mon héritage. Un docteur certifié a fini par devenir un fou. Et cela peut me rendre heureux. Qui sait s'il devrait exactement finir comme son grand-père quand il avait rejeté les avertissements. Quand il devait partir à la recherche pour conclure un pacte avec les ancêtres. Et ce, plutôt que de continuer de posséder le pouvoir qu'il avait, il a fini par mourir dans la démence. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Chérie, tu n'as pas à te rappeler de ces horribles incidents. Le cas de notre fils est différent. Je suis sûre qu'il va reprendre tous ses sens. Crois-moi. Viens, allons à l'intérieur, s'il te plaît. Je t'en prie. Hein? Bien. Je continue à croire. C'est sûr. Il va reprendre ses sens, définitivement, je te jure. For a good day, we pray every day to put up a good fight. But along the way, life takes a new turn.
something where you're not prepared for, how you go fight them? Aye. All of a sudden, them say, you go do this, you go do that. You go be this, you go be that. Oh, yeah. But back in your mind, you got your own pictures of the kind of man or woman you want to be as. Oh, life, oh.